Je suis Hubert Guillot, je suis journaliste. Je viens de lancer un média qui s'appelle danslesalgorithmes.net et je suis aussi délégué général de l'association qui le porte, l'association Vecteur. Alors, dans les algorithmes, aujourd'hui, c'est un média en ligne, une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner, danslesalgorithmes.net. Et c'est un média pour aider les gens à comprendre les transformations des systèmes techniques, à aller jusque, à descendre à la manière de spéléologue dans comment les calculs aujourd'hui sont faits et transforment le monde et transforment en fait et agissent sur chacun d'entre nous. Alors pourquoi avoir fait ce projet avec Matrice? On s'est retrouvé assez naturellement. Matrice, c'est un institut d'innovation qui vient de toucher des tas de choses, des tas de sujets. Et Vecteur et le média viennent les compléter en faisant une proposition média qu'il n'y a pas aujourd'hui dans Matrice. C'est-à-dire de permettre aussi à tout un chacun de venir s'informer sur ces enjeux et leur actualité. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons tous besoin de comprendre en fait l'impact social transformateur du numérique sur nos vies, dans des systèmes qui sont parfois assez complexes. Et c'est tout l'intérêt de venir jusqu'à nous, jusqu'à danslesalgorithmes.net, de venir nous lire et après de pouvoir retrouver ensemble les moyens de pouvoir agir sur les systèmes techniques qui nous entourent.